Get it. Toi, arrête-toi. Ennis. Ah, Jerry, ne bouge plus. Je dois trouver ce Zervos pour apprendre ce qu'il sait sur ses fétous. Savoir s'il est lié au scarabée. Je vais interroger les marchands. Découvrir lesquels sont ses amis. Un bon prix, non? Adieu et bonne chance! Que cherches-tu aujourd'hui? Le capitaine du port, Zervos. Ne prononce pas son nom. Les gardes l'ont tué. Bonjour. Je regarde, c'est tout. Tu connais un dénommé Zervos? Le capitaine du port? Ah. Pourquoi me poses-tu cette question? Il paraît qu'il a disparu. Il se cache? Il est mort? Que ferais-tu si ces fétous avaient mis ta tête à prix? Ah, je vois. Je ne suis pas sous ses ordres. Je ne sais rien à ce sujet. Je m'occupe de mes affaires. Je n'ai rien à te dire. Les plus beaux articles en métal de Saïs! Un nouveau foyer, l'œuvre de vos mains et de vos efforts. Ah, Nitraille, tu veux des dattes? Les meilleures du coin. Ce sont celles que la brasserie utilise pour sa célèbre bière. Je ne fais que regarder. Tu connais un dénommé Zervos? Zervos? Le capitaine du port est mort. Les affaires vont bien? Assez bien, oui. Que cherches-tu aujourd'hui? Zervos, le capitaine du port. Tu sais où je peux le trouver? Tu cherches qui? Pourquoi?
Je ne le connais pas. Il paraît qu'il est mort. Qu'est-ce que tu lui veux à ce Zervos? C'est un homme bien. Un homme bien. Donc tu le connais? Non. C'est ce qu'on dit de lui, c'est tout. Laisse-moi tranquille. Oh, tu m'as l'air costaud, toi. Tu veux renforcer ton armure? La nuit a été longue? Très. Pardon, que cherches-tu? Pour l'instant, je cherche Zervos. Le capitaine du port? Ah bah, bien sûr, Zervos est... absent. Absent? Oui, il est parti à Létopolis, attiré par la promesse d'une nouvelle vie. Alors il n'est pas mort. Mort? Pourquoi voudrais-tu qu'il soit mort? Je dois tous raconter une histoire différente à propos de Zervos. Je me demande si l'un d'eux en sait plus qu'il ne le dit. L'éclat de Létopolis brille, tel un phare dans la nuit du désert. C'est mon Khanemas. Ce vieux muet est encore en train de sur ordre de ce fait tout, ce vieux muet s'applique au crépuscule. N'appartient-il pas à une famille riche? Peut-être. Ça expliquerait pourquoi on ne l'a pas encore chassé. Je crois qu'il habite au domaine de Tarka. Personne dans les rues la nuit, par ordre de Sefetu. Sur ordre de Sefetu, le couvre-feu s'applique au crépuscule. Personne dans les rues la nuit. Halt. Plus un geste. Comment vas-tu? Comme je peux. J'en ai assez de me cacher. Un étang. Nous ne sommes pas des guerriers. Tu peux prendre la prime pour ma tête. Je ne travaille pas pour ces fêtous. Je cherche Zervos, au nom de Harkouf. Bien. Je suis Zervos, le capitaine du port de Saïs. Forcé de me cacher sur mes propres quais. Que te veut ces fêtous? Ce chien, il prend toute la ville à la gorge. Ses impôts nous tuent. Il a brûlé la ferme de mon cousin. C'est vrai! J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aidé les gens à cacher leurs marchandises. Sefetu ne peut taxer ce qu'il ne voit pas.
Et il t'a percé un jour. Ces hommes ont attaqué mon commerce et ma maison. Mais mes archives sont sur ma felouk. Ils ne l'ont pas encore trouvé, mais ils ne tarderont pas. Je vais voir ce que je peux faire. Ma felouk est amarrée au quai de Saïs. Je préférerais qu'elle reste entière. Mais si tu dois la détruire, sois prudent. Les hommes de Sefetu surveillent le port de Prince. Trouvez quelque chose? Mais... Viens à toi. Halte. Oh, il est interdit de venir ici. Par ici. Hein, mais que... Bye, bonne trace. Indice. Rien. Quoi? Alors, les indices? C'est bizarre. Pas une seule trace. Te prends pour un génie, pas vrai? Eh ben... pas beau, hein. Bye.
Il n'y a plus besoin de te cacher. J'ai pris soin de ta felouque. Les archives sont en sûreté. Tu as sauvé ma felouque. Tiens, prends ceci, tu l'as bien mérité. Tu as aidé tous ceux qui vivent ici. Les gens sont manifestement prêts à te soutenir, Zervos. Pourquoi ne pas attaquer ces Fétous ? Ces Fétous est trop puissant, trop cupide. Il sait que personne ne peut s'en prendre à lui. Nous ne sommes pas des guerriers. Ces Fétous s'entourent de soldats. Sa base de Fornikiou est équipée de balistes. C'est même moi qui l'ai aidé à les importer. Gamon veille sur toi. M'occuper des archers de Sefetu Asaïs. Ils sont ses yeux. Ton arrêt de mort, Neb. Toi, tu vas crever. J'ai la cible en vue. Visible.
Fetou est devenu aveugle. Tobia, what is the benom him himet? Oh, il s'est Narsucha! C'est vrai? C'est fait tout à fait brûler la ferme de ta sœur? Oui, il n'a aucune pitié. Ah. Chayef! Decision, galère! Ton fils est trop jeune pour travailler au champ. Je le sais. Mais je n'ai plus de quoi payer des journaliers. Les collecteurs d'impôts me prennent tout mon grain et menacent de brûler ma maison. Merci, mon ami. Je vais pouvoir payer les chiens de Sefetu. Au moins pour cette fois. Parle-moi de ces collecteurs d'impôts. Ils parcourent les routes autour de Saïs. Mais ils ne s'en éloignent jamais beaucoup. Sefetu est un maître cupide. Il les oblige à prendre aux gens tout ce qu'ils ont. Je vais voir si je peux les trouver. Et les convaincre de se montrer moins voraces. Toi, travaille ta ferme. Et élève ton fils. Oui, Ned. Maintenant qu'il peut se reposer, je pense qu'il va retrouver des forces. Que les dieux t'accompagnent. Cette mine! Qui en sait perdre? Bayek, c'était Sefetu. Ils ont pris Arkouf. Je sais ce qu'ils vont lui faire. Le torturer avec des pinces brûlantes, peut-être lui arracher la langue, puis lui planter une dague incandescente dans le cœur. Les prisons de Fort Nikiyo. Attends. Ils m'ont cru morte, et ils m'ont jetée dans le puits. J'ai rampé parmi les cadavres, et j'ai rejoint le fleuve par un petit cours d'eau souterrain.